Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Passmaille, on est parti pour Donkey Kong Country Tropical Freeze, vidéo défi encore, la partie 3. Cette fois-ci, je suis pas avec mon cher associé Fireflav. Mais bon, pour que Fireflav soit toujours avec nous, il y a quand même Cranky Kong, hein, toujours. D'ailleurs, j'ai acheté 4 tonneaux de Cranky Kong chez Funky et... Il nous a dit Funky Kong de ne pas trop lancer fort les tonneaux de Cranky Kong, hein. Sinon il aura un tour de rein, il aura mal au rein. Toujours des petites blagues. Là je me concentre vraiment. Et on va essayer d'aller au moins plus loin que la vidéo d'avant. De faire plus de 2 niveaux, ce sera peut-être pas mal, en 40 minutes. Surtout que j'ai peur du niveau du monde 5. Vraiment. Parce que, vu le commentaire, ça me fait peur. Là, vous savez, on y va, là, vous connaissez. Vous commencez à connaître, je pense. Dans la pièce de puzzle, je m'en fiche. C'est quand même hard. C'est à partir de là que j'étais tombé comme une merde à la fin. Enfin non, ici plutôt. Et voilà, ça on n'avait pas encore fait là, c'est totale découverte. Sion. Oh mon dieu. J'ai eu de la chance. Oh putain de merde! Oh là 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 là. Je le sentais là, du premier coup de réussir le niveau, mais non. Il a fallu qu'il y ait eu un piège sournois à la fin, là, la lave qui monte. Et voilà. Alors en plus, elle monte vite, hein. On n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, si, il y a une erreur. C'est rien du tout. Voilà, bah je vais le faire sans Cranky Kong, hein. Je vais pas tout de suite utiliser le tonneau. Ça peut être possible. On va pas carrément quitter le niveau pour, voilà, prendre le tonneau. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Alors, là, c'est du grand... Attention. Faut vraiment faire gaffe. Faut avoir fumé de la banane avant pour réussir ces niveaux. Sérieusement, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais qu'est-ce que je fais, sérieusement? Voilà, on est un peu mieux replacé, là. C'est n'importe quoi. Je me suis très mal débrouillé. J'ai perdu une vie connement, mais bon. C'est comme ça. On va quand même se démerder, parce que... La fin, c'est vraiment possible, hein, de pas se faire toucher une seule fois. D'accord. Ok. J'ai fait pareil avant. Le truc, il a mis moins de temps. Et là, il a mis plus de temps à descendre, et voilà. Le rythme change. C'est pénible. Attendez, ces niveaux-là, franchement, le gars qui le fait du premier coup, c'est la première fois qu'il s'attaque à ces niveaux. Bah, franchement, je vous dis, il est pas humain. Il n'est pas humain, clairement. Même si en voix off, quand même, c'est plus simple. Bon, même en voix off, j'aurais du mal. Allez, on va se faire cet ennemi. Et c'est parti. Oh là, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. Aux abeilles. Bon, ça, les abeilles, elles sont pas trop pénibles. Et c'est le début. Là, ça se corse. Ouais, c'est vraiment un fondant là.
Oui. Oui. Oh mon Dieu! Oui, le cadeau! Viens par là, Papa Noël! Oh là là. 5 minutes 30, ouais. En comptant l'intro, on va dire 6 minutes, quoi. 6 minutes, c'est quand même pas mal. J'ai perdu deux fois, je crois, oui, mais bon. On va tolérer ça comme... Donc c'est bien. Plutôt bien, même si j'ai perdu plein de fois avant dans la vidéo précédente. Donc voilà, on a fini le monde 4. Maintenant, nous nous engageons dans le niveau le plus hard, à ce qui paraît. Le niveau, le best niveau K. C'est là que je me dis que j'ai vraiment peur et... J'ai peur de voir ce qui m'attend. Bon, on va... Pour le fun, on va prendre Cranky Kong, parce que bon... Il est toujours avec nous, hein. J'ai acheté aussi Diddy Kong, hein, au cas où, si vraiment je suis bloqué comme une merde. Parce que Diddy Kong, franchement, avec son jetpack, il nous aide vraiment. Mais aussi, pareil pour Dixie Kong, je l'ai pas prise d'ailleurs, mais... franchement, Dixie Kong, très très utile. Enfin, tous les personnages sont utiles. Mais bon. Cranky Kong, c'est clairement, il faut être sur des niveaux où il n'y a que des pics. Alors là, c'est pas le cas, c'est plutôt des niveaux où faut plutôt être. On est plutôt dans les airs. C'est plus hard. Ok, alors il y a des plateformes qui se forment. Ok. Pour l'instant, ça me semble pas si compliqué que ça. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ok, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ok, ouais. Je pense qu'il va être hard. Je pense que ça va pas être une partie de plaisir. Et en fait, après j'ai sauté trop tôt. Enfin, même au début, de toute façon, c'était foiré. Et en fait, les plateformes se forment. Se forment que quand. Enfin, vous voyez, l'espèce de tuyau là est lumineux. Là, par exemple, c'est un très bel exemple. On tire ça pour avoir un régime de banane, c'est toujours. Toujours ça de prix. Ah non, non. En fait, faut attendre. C'est vraiment du die and retry. Hein. C'est pas possible. Faut attendre après. C'est sûr, c'est plus. Ils sont même pesants de cacahuètes que. Que Mario Bros. Hein. Bon, d'accord. En plus, faut y aller. Faut vraiment y aller au bon moment. Hein. Faut pas juste attendre. Attends, heureusement que je fais pas ça en continuité. Hein. Parce que les deux parties précédentes, on les avait fait, pour tout vous dire, hier. Ouais, la partie 1 est prête maintenant. Ah, purée. C'est pas vrai. J'ai fait le montage et tout et des fois j'ai monté le son du jeu pour vous admirer la bande son qui est vraiment réussie, hein, j'ai remarqué. J'avais pas trop remarqué en jouant, hein, en faisant les deux parties, mais en faisant le montage, c'est vrai que c'est quand même du lourd les musiques. Enfin, les musiques que nous proposent ces niveaux. Les remixes. Oh là là, oh là là, oh là là, là là, franchement là non. J'ai vraiment joué, mais il y a des fois je joue comme un fou du premier coup. C'est souvent le premier coup qu'on réussit. Et après, on va le plus loin et le deuxième coup on fait n'importe quoi. Donc, ah, ok, là j'ai compris. J'ai compris le machin. J'ai compris le timing. Oh non. Oh non. Oh, j'y crois pas, je n'y crois pas.
là, je vais pas trop vite. Heureusement, on peut se reposer sur ces plateformes. La plateforme arrive. Mais putain, mais... Non. Oh, j'y étais presque. J'ai cru que j'allais réussir du premier coup ces passages magnifiques, là. Magnifiquement durs. Mais non. Faut croire que c'est trop dur pour moi. Trop dur pour moi d'être un miracle. Un gamer miracle. Bon bah maintenant j'ai compris. J'ai compris. Il faut pas se laisser impressionner par les trucs. Hein. Ouais. Les murs par contre sont vraiment relous quand ils sont bas quoi. Les murs sont bien bas. C'est comme souvent la tête dessus donc. Ouais d'accord, j'ai sauté. J'ai pas compris. C'est le décalage. Hein. C'est ça quand on filme avec Game Capture. Vous avez le droit à un petit décalage. Bon encore là ça va. Sur GameCube c'est horrible. Alors là on attend un peu. Ouais bon là, je sais pas comment on esquive ça. Alors on essaye de prendre un cœur, je crois qu'il y avait un cœur. Hein. Je pense qu'il y avait un cœur ici. Croisons les doigts mes amis. Et oui on a un cœur. C'était là que c'était chaud. Oh là 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 là. La concentration du Kong. Oh là là, j'ai failli tomber. Ah non, mais franchement, je me fais peur moi-même. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh purée. Oh purée. Ah, j'ai peur. Alors, comment on va passer par là? Comment on va passer par là? Ah, bon, si ça va là. Tout est question de timing, tout est question de concentration. Ah, je sais, il faut que je passe maintenant. Voilà. Ah, là, il faut vraiment prendre son temps. Je mise tout sur cette vie. Je mise tout. Oh là, j'ai eu de la chance. Oh! Ça peut aller, j'espère que la plateforme tombe pas, oui, elle ne tombe pas. On sait jamais. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là? Là je pense qu'il faut quand même un peu attendre. Ouh là 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 là, ça sent le truc où on retourne à la plateforme d'avant et tout. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau? Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Ah, et ben, je comprends pourquoi le monde 5 est bien chaud. De 1, bah, parce que quand même, faut avoir pas mal de timing. Et puis en plus, vous avez vu, il est bien long. Hein. Ça doit être le niveau le plus long des niveaux K, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il... Qui a dit ça, ce fameux Saxon. D'ailleurs, j'espère qu'il va regarder la vidéo pour le fun. Il va voir comment je galère. Mais je dis je galère parce que Firefly n'a pas trop participé. Je pense pas que c'est avec lui que j'ai réussi les niveaux précédents. Là, lui. Je parle pas beaucoup parce que là, c'est vraiment hard. Même en refaisant, je pense que même en refaisant une centaine de fois, ces niveaux ils resteront durs. Hein.
ça c'est sûr. Ah voilà, bon là encore ça peut aller ce passage, faut juste se concentrer. C'est pas très compliqué. Là par exemple je passe pas parce qu'il est trop loin. Parce que notre chère plateforme met du temps à avancer. Puis heureusement c'est le même, comment dire, le même timing à chaque fois. Heureusement. Enfin c'est le même ordre, enfin comment dire, le même... C'est pas aléatoire, comment les plateformes se déplacent, c'est pas aléatoire. Heureusement. Parce que ça, des fois, il y a des niveaux comme ça et ça, c'est relou. Voilà, je me retourne. Oh putain. Ah non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que les développeurs, ils ont dû vraiment s'amuser à faire ces niveaux. Enfin, les testeurs, après... Enfin, ceux qui testaient le jeu, qui débuguaient le jeu... Ah là là, les bêta-testeurs, ils devaient vraiment péter un câble sur ce niveau. Et s'il était bugué au début... Bah dis donc. Oh là là. Bon, à chaque fois je perds une vie ici, mais c'est pas grave parce qu'il y a à chaque fois un cœur ici. Ils ont été gentils sur ce coup-là. Ben, heureusement, ils vont pas être toujours chiants. On va faire un niveau de psychopathe sans cœur. Sinon, franchement, ils sont sans cœur. Petit jeu de mots. Oh mon dieu! Faut pas sauter trop haut. Ah c'est... Il nous laisse presque pas de moment de répit. Avec ces fameux niveaux K. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Pourquoi il a glissé? J'ai pas pu sauter au bon moment puisqu'il a glissé à moitié. Il a fait... vous voyez, quand on se retourne, il fait son animation là. Oh d'accord, la plateforme qui met 3 jours à arriver. J'ai pas que ça à faire moi, à attendre. Faut finir ces niveaux. Je sais pas si l'aide de Diddy Kong sera satisfaisante. Je ne sais pas. Je pense pas trop là. C'est plutôt un niveau à timing. Je pense pas que Diddy Kong nous sauvera de ce niveau là. Je m'y attendais que ce niveau était dur, franchement. Mais je sais pas s'il est plus dur que les anciens, si ça se trouve... Voilà. Il est plus long, ça c'est sûr. Alors, j'ai l'impression vraiment qu'il est long. Mais... C'est peut-être moi qui mets du temps, j'en sais rien. C'est vrai qu'il dure, il doit durer plus de 2 minutes 30. Hein, en faisant une traite. En speedrun. J'ai un peu cogné la tête là. Oh là là! Oh le skill! J'attends tranquillement, ça se passe. Hein. Je suis pas du genre rapide. Je suis du genre patient. Surtout que en attendant l'écart, c'est sûr qu'on devient patient. Bon alors là, faut que je passe à ce moment-là. Ouais, c'est... La pièce de puzzle, je m'en fous. Par contre. Allez, là on y va. En fait, faut pas du tout bouger sur ces mini plateformes, sinon donc les cons glissent à moitié et voilà, c'est fini. Oh purée, non! Mais non, fallait aller sur l'ennemi à droite. Putain, mais ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible.
d'être aussi rapide, d'être aussi comment dire, aussi speed, aussi j'essaie de, je cherche le mot là, mais je m'en fous. On continue. Ah, oh, mais purée. Il faut que j'arrête. De toute façon, là, c'est impossible de se rattraper après si on fait un faux pas. Non, mais... Franchement, j'ai vraiment hâte de voir la vidéo de Hooper. Hein. Sérieusement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer avec Hooper. Si ça se trouve, il va réussir du premier coup. Il va faire un carton. Mais je pense pas que ça va être ça. Après, parce que les niveaux sont vraiment mais bien plus hard que dans Donkey Kong Country Returns. Et ça se voit direct. Hein. Même en regardant. Voilà. Je suis sûr que vous me comprenez. Non, mais je trouve quand même que les graphismes sont sympathiques là. On est sur des espèces de bouts de bois. C'est dommage quand même que l'environnement, ouais, ce soit que dans le temple K. Vraiment dommage. Ils auraient pu faire correspondre à chaque monde. Je suis un peu déçu là-dessus. Ils ont fait la facilité, comme dans Donkey Kong Country Returns, ils ont fait juste le temple K. Voilà, par contre... Ouais. Au niveau du level design, ils ont pas fait le minimum. Hein. Ils se sont donnés à fond là-dessus. Hein. Ça se voit. Ça se voit que c'est de la vraie plateforme. Ça se voit que c'est pas du Mario Bros. Que c'est autre chose. Que c'est de l'art. Oh purée. Vous avez vu l'animation de Donkey Kong quand on était... Sur la plateforme, là, j'étais vraiment au bord de la plateforme. Là, faut pas traîner. Ah putain, mais non. On est depuis combien de temps sur ce niveau? Alors, 22 minutes, enfin 23 minutes. Je dirais... Bah, ça fait un moment quand même. Ça fait plus d'un quart d'heure, c'est super. Peut-être que j'ai mis beaucoup de temps sur la map. Hein. J'ai passé beaucoup de temps sur la map. J'espère. Sinon, franchement, ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur déjà. Je sais que j'ai passé une seconde sur la map, donc... Voilà, je pense que si on récupère toutes les bananes, là, la pyramide banane, je pense qu'il va y avoir une pièce de puzzle qui apparaîtra. Devant nous. Ah, franchement là c'est... On est presque obligé de se faire toucher quand même. C'est pour ça que je prends ce cœur magnifique. Ah, et peut-être qu'avec la manette de gamer là, la manette Wii U à la Xbox 360, peut-être que j'aurais réussi. Hein. Mieux que ça. Parce que bon, avec le gamepad, je peux pas vous dire que c'est la rose. Pas vous dire que c'est une manette de fou. C'est bien qu'il y ait un écran, mais elle est trop grande cette manette. Ah mais là c'est bien, il n'y a pas de décalage. Avant il y en avait à la première partie, je sais pas pourquoi, mais là il n'y a plus de décalage. Faut que ça continue comme ça. Même sans décalage, vous voyez quand même que j'ai du mal. Oh là là. Mon dieu. Voilà, c'est la concentration. Bon, là, ce passage-là, ça va. Et c'est ça qui est hard, hard, hard. Et jusqu'à la fin. Et s'il y a un autre truc après ce truc-là, cette phase-là... Non, mais là, je me suicide.
Mais putain. Ok, pièce de puzzle, on est obligé de se suicider. Ok. Ok, mais pourquoi je suis passé par là? Pourquoi? Bon. En fait, dans Donkey Kong Country Returns, le truc, c'est que le premier niveau K, il était ultra hard, ça c'est sûr. Bon, même si je l'ai fait du premier coup dans la vidéo, mais bon, c'est vraiment... J'ai peut-être eu un bol de cocu, hein. J'avais géré à ce moment-là, je sais pas, il y a des fois. Et pourtant, je parlais. Comme quoi. Mais bon, dans le premier Donkey Kong Country Returns, eh bien, on n'avait pas... Bah, les niveaux d'après étaient vraiment simples, à part le niveau 7 aussi. Niveau K7. Du monde 7. Sinon, après, tous les autres... Bon, monde 8, ces espèces de petits défis, mais bon, ça peut aller encore. Si on a assez de cœur. On a vraiment le droit de se faire toucher, alors que là... On se fait toucher, on perd du temps, et voilà, c'est foutu. Vous l'avez bien vu. Voilà. Je vais pas beaucoup parler, hein, parce que... Ces niveaux demandent beaucoup de concentration. Tous mes sens doivent être mis en valeur, là. Sens de gamer. Alors là, on va tout de suite sur le hibou. Et c'est bien joué. Et c'est là que ça se corse, et en plus il y a un truc après, hein, donc je pense que j'aurais peut-être dû me suicider avant. Oui, il y a une autre phase après, vous avez vu. Toujours avec ces plateformes fourbes. Oh purée! On voit vraiment que c'est maîtrisé quand même ces niveaux. C'est pas de la rigolade. Oh oui! J'ai le droit de me reposer! Oh là là, mais... J'en peux plus! Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire là, cette fois-ci? Ok, 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 ça va. Ok, là faut sauter sur les ennemis. Anticipation. Oh oui, oh oui. Mais il avait dit que le monde 5 était plus dur. Attends, Saxon avait dit que le monde 5 était plus dur. Moi je lui réponds que c'est le monde 2. Voilà. Allez, le monde 2, purée, j'ai passé 40 minutes sur ce niveau. Purée. Alors que là, j'ai passé, disons, 20 minutes. Donc bon, c'est... C'est plus convenable. Là, je suis vraiment content d'avoir fini ce niveau. Je suis vraiment content, là. Là, je suis vraiment content et je suis prêt pour le prochain niveau. Car là, on est à 29 minutes. Je vais m'arrêter à 40 minutes, comme d'hab. Si jamais j'y arrive pas. Et si jamais j'y arrive, bah je m'arrête direct et on se fera dans une autre partie de défi. Les niveaux du monde 7. Je sais pas combien il y en a, j'espère qu'il y en a beaucoup. Normalement il doit y en avoir 8, hein, je sais pas. Ce sera un minimum bien. Puis voilà. Là je vous dis, franchement là j'ai vraiment peur. J'ai dit encore ça. Bah en fait le niveau d'avance surtout, il est dur parce qu'en fait faut se concentrer énormément pendant beaucoup de temps parce que le niveau est vraiment long. Donc avant c'est vrai qu'il fallait assimiler le gameplay tout ça exactement du niveau, mais là franchement c'était pas que ça, il fallait vraiment se concentrer. Donc ouais, je peux comprendre quand même que le monde 5 il est vraiment hard. Surtout pour avoir les pièces de puzzle, vous avez vu. Oh ouais, j'ai utilisé Cranky pour rien, puisque regardez, ils sont vraiment sympas. Ils ont donné dès le départ un tonneau. Donc j'ai pas besoin d'utiliser des tonneaux. Mais bon, pour l'instant, je garde mon Cranky. Hein, parce que bon, il vaut mieux garder Cranky.
Donc là on va être sur la glace, ça va être plus hard. Ah, je vais faire un truc totalement cheaté. Allez Cranky, tu vas avoir toutes tes vies. N'importe quoi. Là on saute. Là on est obligé d'avoir Cranky pour avoir cette pièce de puzzle je pense. J'espère que c'est très bien parti hein, c'est... Là, je sens que je vais très mal jouer aussi là. Ça, pourtant il m'a l'air pas dur. Bon allez on s'en fout, on fonce. Je fais vraiment n'importe quoi. Peut-être que... Attends, je vais vous montrer Dixie Kong. Parce que bon... Diddy Kong, vous le connaissez très bien. Donc je vais vous montrer Dixie Kong. Donc bon, Firefly est remplacé par une fille. Voilà, Dixie Kong qui nous permet de faire un double saut. Vous allez voir comment ça marche. Par contre, je peux aller à quel moment là? Ouais d'accord, le truc est toujours en bas, c'est pas terrible. Voilà, c'est magnifique, vous avez pas vu grand chose. Mais voilà, on peut faire une espèce de double saut grâce à sa technique des cheveux hélicoptères. Attends, il y a un truc à retirer là-bas, je suis sûr que c'est pour une pièce de puzzle. Ah non, c'était pour juste un régime de bananes, ils sont sérieux. Oh, j'ai perdu. J'ai déjà perdu ma coéquipieuse, ma coéquipière. J'ai du mal à parler. Bon, c'est pas grave. Il y a toujours la même musique, mais bon, moi ça me gêne pas. Ah, il faut jouer entre les glissades en fait dans ce niveau. Il faut jouer entre. La glace. Faut jouer entre les glissades. Je vais garder Dixie parce qu'elle est pas mal. Avec son pouvoir. Car oui, on peut utiliser un pouvoir. Voilà, je vais l'utiliser dès maintenant. Et grâce à ça, vous voyez, on a des cœurs en plus. Bon, je vous dis tout de suite, je triche un peu. Mais bon, c'est quand même dans le jeu, donc voilà. Retro Studio nous donne vraiment des bonus intéressants et sympas. Je me suis fait toucher comme une merde. Pourtant, ce passage n'est pas si dur que ça. Pourtant, ce niveau, franchement, il est moins impressionnant que les autres. Je sais pas. Je sais pas pour vous. Quoique là... Là, heureusement que j'ai Dixie Kong. Hein. Si j'avais pas Dixie Kong, je serais en mode galère. Oh là là! Alors, en fait, la difficulté dans ce niveau, c'est de glisser. De glisser sur chaque plateforme. Heureusement que j'ai Dixie Kong. Je le dis encore. Je le dis haut et fort. Je triche. Allez, là-bas, il y a sans doute une pièce de puzzle, mais je m'en fous. J'ai la flemme. Je ferai ça tout seul. Et nos copains, les pingouins. Attention. Il n'y en a plus. Voilà, j'attends tranquillement. Purée, mais il bouge tout le temps, ce hibou. Et après... Oh putain, mais non. Ah, ah purée. Il ne me reste plus qu'une vie. Enfin, une vie avec Dixie. Ah, et en fait, la plateforme est un peu trop haute. Faut attendre qu'elle descende. Mais bon, moi, j'ai pas trop besoin d'attendre parce que je peux faire un double saut. Ah ok, je peux me baisser là. Je viens d'analyser le truc là. Je viens d'assimiler le gameplay un peu. Attention. On remonte en haut, ça m'étonnerait qu'on puisse se baisser, donc je vais en bas. Notre pote le pingouin. C'est surtout un niveau avec des ennemis. Je sais pas si c'était mieux d'aller là-haut en fait. J'ai plus envie d'aller là-haut. Ah non, je peux pas, je crois. Ouais, je peux pas monter, je crois. C'est foutu. Ah, ou alors avec l'aide de Dixie encore. Comme ça. Ah là 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 là, non mais ça c'est... Franchement, heureusement qu'on a Dixie. Dixie, sa première apparition, c'est dans Donkey Kong Country 2. Et heureusement qu'elle est là. Ouais. Alors là, bah... Question de d'accrochage de verdure, si on peut appeler ça.
Purée. Je le dis tout de suite, faut pas se faire écraser par les trucs. Mais purée, mais comment je me suis fait toucher là? J'étais en train de clignoter. Oh. Ouais. J'ai un petit problème là. Je fais comment? Attends, faut arrêter qu'il tire l'autre. Faut pas que l'autre là, l'espèce de coq, il tire. Voilà. On se croirait dans un Chicken Little. Oh! Allez, crève. Mais non! Il m'a donné une baffe! Bon. Ah, ça peut aller, j'ai déjà presque tout le pouvoir. Bah, Dixie, hein, franchement, c'est. Alors là, mais Hooper, je suis sûr qu'il va prendre Dixie dans ce niveau. Hein. C'est obligé. Oh, yeah. Oh là. Là, c'est n'importe quoi. J'ai envie de me suicider. Allez, on se suicide pour le feu. On se suicide parce que là, non. Je peux pas continuer comme ça. Avec deux cœurs. Non. Attends, j'imagine pas ces niveaux en mode miroir. Alors là. Encore le premier, ouais. Bah, le premier, surtout, on tombe. Donc, on perd pas de vie, on perd pas de cœur. Mais sinon, ceux d'après, là. Ah, quoique, le deuxième aussi, on tombe, surtout. Ah, mais le deuxième, j'en ai bavé. J'en ai bavé à ce deuxième niveau. Oh là là. J'espère qu'il y aura un Donkey Kong Country 3. Hein, on galérera encore au niveau 4. Country 3, Tropical, Fire. Je sais pas. Ils inventent des noms bizarres des fois. Mais... Et on se baisse. Non, c'est bon. Allez, la particularité dans ce Donkey Kong. Et oui, je vais vous dire une grande révélation. Le dernier monde, ça se passe avec des niveaux de la glace. Et donc... on n'est pas dans un niveau de lave pour une fois. Incroyable. Parce que ça commence à me saouler de faire toujours dernier niveau, allez la lave. C'est, comment dire, c'est trop copié de Mario quoi. C'est bon, Mario a créé ça, voilà. Voilà, là je peux pas tuer ses ennemis. Sauf l'autre qui fait du feu là, ça sera bien. Oh purée. Voilà, un cœur de plus. C'est vraiment une aide. Bah, en plus, c'est. Ce qui est fun avec ce Donkey Kong, c'est que bon, franchement, le level design est tellement travaillé que on peut même faire les niveaux sans Dixie, sans Cranky, enfin Cranky encore. Voilà, et sans Didi. Et oui, sans personnage. On peut les faire que avec Donkey Kong. Donc c'est quand même incroyable. Oh purée. Je me fais peur à moi-même. Bon là on a compris. Là faut monter, faut plutôt monter en haut et vous allez voir comment vous faire. Si vous avez pas vu avant, si vous avez déjà passé. Hein. Je sais pas. Y'en a qui se font chier, qui préfèrent avancer les vidéos. J'étais un peu pareil hein, pour la vidéo de Hooper contre le boss de Castlevania. Dracula X de la Super NES. Je pense que tout le monde l'a fait pour celui-là. Je pense. Sous 3 heures la même chose. C'est pas trop fun. Bon là faut passer quand voilà le truc est vers le bas. Sauter sur ces. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait sauter sur les poissons qui sont gelés. Que ça allait nous faire bobo, mais non. Ah purée. Ah, là, je me concentre vraiment. Je suis... Je dois être à la moitié du niveau, là. Je sais pas, mais... Peut-être qu'il est long. Hein. Aussi long que celui d'avant. Allez, allons-y. En cœur. Oh, ça va être plus fun avec personne. Ça va être plus fun. Ça va être encore plus fun. Bon,
On continue ou on continue pas là? Je réfléchis. Parce que ça fait 40 minutes, mais. Bon, on fait encore une fois. Encore une fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que je me sentirais un peu con de faire juste ce niveau après dans la prochaine partie et. Et voilà. Ah, je peux pas encore faire le pouvoir. Je peux pas encore transformer les ennemis en. Mais. ça commence bien, allez, on fait n'importe quoi. On fait le foufou. En fait, je pense que pour la prochaine vidéo, on fera en continuité hein, le monde 7. Je continuerai avec ce niveau-là parce que je pense que ce niveau-là, je le finirai peut-être en. Je sais pas moi, 10 minutes. Grand maximum. Quoique, j'ai pas fait grand chose quand même. Alors, faudrait que j'utilise Dixie Kong, hein, vous avez vu, c'est la bonne technique. Utiliser Dixie Kong. Bon, pour le fun, là, je vais ramasser quelques bananes pour être prêt pour la prochaine partie. Pour pouvoir avoir assez de bananes. Je pense que j'en aurai déjà pas assez. Mais pourquoi je peux pas sauter? Ok, je passe carrément au travers de la plateforme. C'est magique. Ah, parce qu'il faut avoir 100 bananes à chaque fois pour avoir le pouvoir. The Power of King. Ok, je vais peut-être y aller comme ça. Ça m'étonnerait. Ce niveau-là en un cœur. Vous croyez que je vais le faire? Ah, quoique, Donkey Kong est vraiment en forme, là, il est en stade de fou. Ça change pas d'habitude. Ah, il y a un cœur en plus, il y a un cœur. Est-ce que je vais ramasser? Ou est-ce que je vais me faire bouffer avant? Ouais, c'est facile à esquiver. Ah, c'est. Peut-être que c'est cette fois-ci que je vais réussir, hein, sans Dixie. Ça sera incroyable. Mais non. Impossible n'est pas. J'allais dire impossible n'est pas français. Mais... Oui. Bon, j'ai glissé comme une merde. Vous voyez la difficulté là, c'est la glace. Donc on se retrouve dans la partie 4 de Donkey Kong Country Tropical Freeze, le défi. Enfin, je sais pas trop si on peut appeler ça un défi au bout d'un moment. Donc à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve dans la partie 4.